Bonjour à tous, nous commencerons à 18h05, le temps que tout le monde arrive. Nous sommes déjà nombreux. En attendant le démarrage, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va vous expliquer à quoi correspond notre affiche de cette conférence. Je vous laisse découvrir cela.
On t'entend pas, Jean-Christophe. Je disais, voilà l'explication de cette affiche un peu particulière. Je laisse les intervenants donner leur sentiment par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Laure ? Je peux commencer de la mesure où Oui. j'en parlais tout à l'heure parce que j'ai vu le petit film en même temps que, enfin, que tu me l'as passé hier. Là, on en a un tout petit peu discuté. Moi, j'étais très surprise parce que pour moi, depuis mon adolescence, enfance, le Bernard l'ermite, de par son nom, ça devait être un être totalement solitaire, bah, justement un ermite. Ce qui, en fait, c'est vrai que c'est un ermite d'après Wikipédia et compagnie, mais quand justement il y a besoin de trouver une nouvelle maison, tout le monde ou tous ceux qui se trouvent dans la région se réunissent et s'appondent, de telle sorte que le plus petit va dans la coquille du plus grand devant et ainsi de suite. Et j'ai trouvé ça très impressionnant dans la mesure où ces animaux-là sont dépourvus de protection, ils ont un abdomen complètement mou et c'est pour ça qu'ils doivent vraiment trouver des coquilles. Et je trouvais que c'était une bonne image de l'entraide qui est parfois vraiment nécessaire, le partage, où chacun donne un peu de lui-même, de ce qu'il protège lui. Ça peut aller très loin, quoi. Mais j'ai trouvé cette image très forte et passionnante. Merci, hein. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose ? Alors, Mathieu ? Alors, j'ai vu l'image un peu saccadée, donc j'ai peut-être raté des petites choses du film. Mais en tout cas, ce que ça m'évoque, ce Bernard l'ermite qui cherche sa coquille pour le malade psychique que je suis, c'est le pilier de résilience. La coquille, c'est ce qui va protéger le Bernard l'ermite, c'est ce qui va le sécuriser, c'est ce qui va l'aider à vivre. Pour moi, en tout cas, ça évoque vraiment ce pilier de résilience qui me fait être debout aujourd'hui et vivre avec cette fragilité. Si je peux dire quelque chose aussi, moi, ce que vient de dire Mathieu me parle beaucoup, ce que Carole a dit aussi. J'ajouterais en plus qu'on se rend compte qu'on peut y aller étape par étape et qu'il faut passer vraiment, même si on est le plus petit, on a aussi voix au chapitre et on finit par devenir aussi le plus grand. Merci à tous. Nous allons attaquer cette conférence avec... D'abord, je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Nous allons aborder le thème du diagnostic, puis des thérapies. Nous aborderons évidemment un peu les médicaments parce qu'on a reçu des questions sur les médicaments, ce qui n'était pas forcément le sujet aujourd'hui. Et puis, nous aborderons évidemment le rétablissement qui est quelque chose de très important. Enfin, Anne tirera une petite conclusion. Alors, pour cette webconférence, pour ceux qui n'ont pas participé aux précédentes, un point important, la webconférence est enregistrée, donc un lien vous sera envoyé. Si vous absentez à un moment donné, que vous voulez partager cette webconférence plus tard, il est possible de le faire. Elle est également diffusée en direct sur Facebook Live. Elle sera aussi enregistrée et donc disponible depuis notre page. Il n'est pas besoin de prendre des notes ou des photos, tout ça est enregistré. Vous pourrez poser vos questions avec le bouton « Converser ». N'hésitez pas à le faire, j'ai vu que certains saluaient les uns les autres. C'est très sympa, merci. Et si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire. Toutefois, si vous avez déjà envoyé des questions, ça ne sera pas nécessaire parce que nous avons enregistré toutes les questions qui nous sont parvenues avant 10 h ce matin, et ce n'est pas nécessaire de les reposer, parce que ça va plus nous perturber qu'autre chose. En revanche, nous avons reçu plus de 50 questions, on ne pourra évidemment pas répondre à toutes les questions, mais on a essayé de les regrouper, de les raccourcir, de venir le plus rapidement possible au fond de la question que vous nous posiez.
pour ceux qui n'auront pas toutes les réponses à leurs questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va faire un suivi dans les prochains jours. Il y a quelques situations très particulières qui nous ont été exposées. On a pris déjà contact avec certaines des personnes. Alors, ce soir, les questions seront posées par Anne. Monsieur Loyal sera Laurent. C'est lui qui distribuera la parole. Shadia posera également les questions et je me présente, puisque j'oublie toujours de le faire, je m'appelle Jean-Christophe et je préside les journées de la schizophrénie. Nous avons également Virginie qui va traiter vos questions, c'est-à-dire si vous avez des questions supplémentaires, elle va les organiser pour que nous puissions les prendre en compte. Alors, ce soir, nous avons 16 conférenciers, nous avons 5 experts, qui ont l'expertise de la maladie, 2 proches, 4 psychiatres, 2 psychologues, 1 infirmière et 2 éducateurs sociaux ou assistants sociaux qui nous accompagnent, avec toute une ribambelle d'associations qui nous font confiance et qui nous soutiennent. Alors, j'aimerais présenter, et peut-être qu'à chaque fois, les intervenants peuvent faire un petit coucou pour montrer qu'ils sont là. Il y a Philippe Maugiron, qui est le président de l'association des pères praticiens, pères aidants. Bonjour. Nous avons Laure Favre-Réguillon, du C3R à Grenoble. Nous avons Perrine Brazo, qui est professeure et chef de service au CHU de Caen. Nous avons Eugène, je vais t'appeler Eugène, qui vient de La Réunion et on le salue parce que pour lui, c'est déjà 20 heures. Ouais. Eugène Baguena, son gars. Enchanté. Sylvain Lénier, qui représente un centre expert fondamental basé à Grenoble. Bonsoir. Je travaille aussi au centre de réhabilitation à Grenoble en même temps. Faustine Denis, qui travaille au GHU Paris et qui représente la fondation Pierre Deniker. Bonjour. Carole Mock, qui est père praticienne en Suisse et qui travaille au GRAP. Martina Alves, qui travaille à l'hôpital du Valais à Malévo en Suisse. Bonsoir. Et qui est infirmière. Claire Chardin, qui est bénévole aux journées de la schizophrénie. Bonsoir. Nous avons également Laurent Lefebvre, qui Bonsoir. Est indépendant et père praticien. Bonsoir à toutes et à tous. Je devrais dire médiateur de santé père, c'est ça ? Oui, médiateur santé père, effectivement, promo 2019. Nous avons Fabienne Furguer, qui est coordinatrice d'un projet entre pères praticiens et chercheurs, et qui travaille pour Meeting for Minds. Bonsoir. Mathieu Combe. Alors, Mathieu est bénévole pour les journées de la schizophrénie, mais son activité principale est d'être frère au prieuré des bénédictins à Évian. Bonsoir à tous. Véro, qui nous fait l'amitié d'être là, Véro Kratzborn, qui est réalisatrice et dont le film La forêt de mon père va sortir dans quelques semaines. Bonsoir, et je suis proche aussi. Voilà. Mon papa. Stéphanie Lemestré, qui est la coordinatrice de Similes en Wallonie. Bonsoir à tous. Pour préciser, Wallonie, c'est en Belgique. Ah oui, excuse-moi. Et enfin, Emmanuel Raymond, qui est bénévole à l'UNAFAM et qui maintenant représente aussi l'UNAFAM chez EFAMI, qui est l'association des familles européennes. Et je me permets d'intervenir, puisque tu m'as oublié, mais c'est pas grave. Je t'ai oublié, désolé. Oui, Alexandre de Connor, du coup, est psychologue au CHU de Montpellier. Voilà. Bonsoir à tous. Alors,
Avant de commencer, je vous dis, rajoute juste une petite chose. À un moment donné, on va vous soumettre un petit sondage qui apparaîtra sur votre écran. On vous remercie d'ores et déjà de bien vouloir y répondre. Je passe la parole à Laurent, Anne et Shadia pour les premières questions qui vont aborder le diagnostic. Donc, bonsoir Laurent, je vais distribuer la parole ce soir à nos différents intervenants. Juste préciser que je vais essayer à chaque fois de marier les points de vue le plus possible entre les experts de vécu, les techniciens, santé mentale, telle manière à avoir différents angles pour aborder plus globalement les questions, des questions qui sont plus techniques, d'autres qui réfèrent plus justement à l'expérience de vécu. Donc voilà, j'ai essayé d'équilibrer. Juste rappeler aussi que celles et ceux qui veulent intervenir en complément peuvent lever la main et j'essaierai d'organiser le tour de parole. La première question, donc elle concerne le diagnostic, elle est très très simple. Pour qui et pourquoi le diagnostic est-il souvent si important ? Alors, pour ouvrir le bal et répondre à la question, je propose à Laurent Lefebvre et à Eugène Bagiana de nous apporter leur point de vue. Donc moi, j'ai une singularité aujourd'hui. Je peux parler de singularité psychique et la schizophrénie. Et ça a mis 10 ans avant que j'entende le diagnostic, qu'on mette le diagnostic. Et 10 ans, c'est très long. Et ça permet... le diagnostic de commencer un rétablissement, en fait. De commencer à connaître un peu mieux la maladie, mieux se connaître, essayer d'utiliser ses propres ressources pour combattre et pour la maladie et essayer d'évoluer le mieux possible sur le chemin du rétablissement. Donc, c'est très important. Pour moi, en tout cas, ça a été très important, le diagnostic. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait que le diagnostic soit, à mon avis, donné beaucoup plus tôt. Essayer de le donner le plus tôt possible, en fait. Puisqu'on sait aujourd'hui, les études scientifiques le prouvent, et que plus le diagnostic est posé, et surtout, plus on peut mettre une thérapie, des thérapies en place, plus le chemin de rétablissement est plus facile et plus rapide. Voilà, donc, voilà ce que je voulais dire. Eugène ? Oui, ben je vais essayer de dire brièvement. Je suis psychiatre et effectivement, je ne pense pas pouvoir parler non plus pour tout le monde. Je pense qu'il y a une réelle importance à pouvoir parler du diagnostic, mais je repense aussi à l'étymologie de ce mot diagnostic, c'est-à-dire quelque part connaître à travers. Il y a une évolution, je dirais, dans les entretiens, les consultations que nous pouvons faire avec les personnes qui nous amènent à définir probablement avec plus de précision un diagnostic au bout de quelques temps. Quand je regarde simplement sur les modèles, par exemple, anglo-saxons, on parle généralement d'une souffrance exprimée pendant une période de plusieurs mois pour certains des troubles que l'on traite. Et il arrive effectivement, je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle tout le monde se retient de parler de diagnostic, que ce diagnostic arrive parfois assez tardivement dans le processus de reconnaissance entre un soignant et un soigné. Il me paraît effectivement très important pour les usagers que je rencontre, en tout cas, de pouvoir très tôt déjà mettre des mots sur certaines de leurs souffrances, pour arriver peut-être à effectivement un diagnostic syndromique, c'est-à-dire le nom d'une maladie dans son ensemble, quelque part, parfois au bout de quelques temps. Mais effectivement, ce dialogue doit commencer, même si on doit parfois mettre une réserve sur le diagnostic final. Voilà. Ou en tout cas, laisser un peu de temps pour le confirmer. Je peux ajouter quelque chose en tant que proche ? Anne ? Les proches ont très souvent l'impression justement qu'une situation devient très difficile et de plus en plus difficile à vivre, mais ils ne la comprennent pas. Donc le diagnostic est souvent le moment où ils ont l'impression que cette fois,
comme il y a un diagnostic qui est posé, on va pouvoir apporter un soin et apporter une amélioration et que leur situation va aussi s'alléger. Perrine souhaitait intervenir. Perrine, on entend le micro. Oui, excusez-moi. Donc, je souhaitais ajouter le fait que c'est une maladie qui survient très souvent chez des sujets jeunes, ados, jeunes adultes, et que ça se déclare par des signes qui potentiellement sont non spécifiques, et que, eh bien, on va parfois hésiter entre une crise d'ado un peu compliquée ou, et puis une pathologie mentale qui s'installe. Et c'est là où la dimension temporelle, effectivement, est à la fois une aide et un problème, parce qu'il va falloir essayer d'aller au le plus vite possible sans pour autant se précipiter dans un diagnostic qui est très lourd à porter et peut impacter fortement le devenir de la personne. Donc, il y a cette difficulté à reconnaître les signes, à pouvoir faire ce diagnostic, sachant qu'on n'a aucun moyen technique, pas de radio, pas de biopsie, pas de prélèvement sanguin, pas de rien qui puisse exister dans d'autres pathologies qui nous permettent d'étayer la clinique, l'échange avec le patient, l'échange avec ses proches. Carole Mock. Carole, le micro. Voilà, vous m'entendez. J'ai rencontré plusieurs personnes qui, contrairement à ce que disait Laurent tout à l'heure, ont, en tout cas au début, beaucoup souffert de la révélation du diagnostic. En l'occurrence, c'était toujours des diagnostics avec schizo dedans. Les autres avaient apparemment plus de facilité à accepter. Une dame qui était dite schizoaffective restait vraiment crochée sur ce mot, enfin sur le début du mot, enfin sur schizo, notamment je pense par le fait que les médias et tout ça véhiculent une image tellement négative du mot en lui-même, donc plutôt un côté négatif, et aussi le fait peut-être d'un enfermement dans une catégorie, alors qu'on a peut-être plus tendance maintenant à avoir des spectres et à avoir des continuums et moins comme ça des cases hermétiques. Mais ça peut être une douleur aussi que de recevoir un diagnostic et plus particulièrement justement que c'est de la schizophrénie. C'est ce que j'ai constaté, voilà. Alors, il y a de très nombreuses questions. Je ne sais pas si on continue sur celle-ci ou si on poursuit en approfondissant, en s'appuyant sur les questions suivantes. Oui, Shadia, prends les prochaines questions qui permettent de creuser le diagnostic. Oui. Alors, on a reçu une question de Laurence qui nous dit « On entend parler de troubles du spectre de l'autisme, de troubles de l'intégration, de troubles envahissants du développement. » Les psychoses, schizophrénie, bipolarité par exemple, en font-elles partie ou appartiennent-elles à une autre catégorie de maladies ? Alors, question technique, je propose à Sylvain Lénier de tenter une réponse. Oui, donc j'ai tenté une réponse. Il y a souvent un problème de terminologie au gré de l'évolution des classifications. On va dire qu'actuellement, on parle pour parler de l'autisme, on parle du TSA, du trouble du spectre de l'autisme. On différencie maintenant un peu plus la présence ou l'absence d'un handicap intellectuel associé. Et on distingue bien ce trouble neurodéveloppemental qu'est l'autisme du trouble maintenant, on appelle aussi du trouble du spectre des schizophrénies dans lequel on intègre les schizophrénies. Après, ces difficultés de terminologie aussi reflètent un peu l'histoire, finalement, l'histoire et l'évolution des classifications. Mais le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, est bien un trouble, si on peut l'appeler de cette manière, différent du trouble du spectre des schizophrénies. Eugène Bagina.
Oui, c'était un peu pour rejoindre ce que M. Lénier a dit, effectivement, et je pense que c'est à notre charge aussi peut-être de l'expliquer, mais il y a eu deux grands courants quand même au niveau des classifications qui n'ont jamais vraiment réussi d'ailleurs à se réconcilier. On peut parler des courants, on va dire, franco-germaniques d'une part et des courants anglo-saxons de l'autre, et le système de classification était déjà très différent, sans compter d'autres nosographies. Ça n'empêche que nous avons un devoir de parole, de pouvoir mettre des mots et de pouvoir aussi, je voulais tenir à cela, puisqu'il y a quelque chose de dynamique dans la psyché humaine, d'être aussi un accompagnant dans le fait de pouvoir dire « j'ai peut-être vu plus ceci à une certaine époque, mais je constate qu'on évolue vers cela à une autre époque ». Donc le schéma de traitement, d'accompagnement aussi évolue à travers le temps. Je pensais à ce que le professeur Brazo avait dit, on a parfois à constater que il y a des faux amis et que nous ne sommes pas forcément sur la bonne orientation, mais d'où l'intérêt d'un suivi et d'un dialogue, en tout cas, soignant-soigné. Sur cette histoire d'évolution des termes pour désigner les troubles, est-ce qu'un de nos experts de vécu souhaiterait dire quelque chose ? Est-ce que ça représente une importance particulière ? Oui, frère Mathieu ? Alors, je vais parler de fait pour moi, hein, de mon vécu, de mon histoire. À partir du moment où j'ai connu le diagnostic, j'ai pu mettre un mot, un nom sur cette maladie, sur cette fragilité, ça a été pour moi le début du mieux, profondément. Parce qu'avant, j'avais vraiment l'impression d'être... de souffrir de quelque chose dont on n'était pas capable de mettre le nom. Ma maladie, c'est que je suis borderline. J'ai passé des tests de psychologie assez poussés et il s'est avéré que je rentre dans la catégorie psychotique lorsque je ne fais pas suffisamment attention à mon hygiène de vie et que la fatigue est là, etc. Et à ce moment-là, il y a un risque de décompensation. Donc, on m'a dit que j'étais borderline. À partir de ce moment-là, ça m'a profondément aidé. Je crois aussi que c'est la ligne de crête, c'est-à-dire que c'est important de ne pas nous enfermer, et le patient lui-même, de ne pas s'enfermer dedans. Parce que oui, ok, je suis borderline, mais je ne suis pas que ça. Et ça, je crois que c'est très, très important. Donc, le diagnostic est effectivement important parce que ça nous permet de nous connaître, mais c'est aussi important de ne pas s'enfermer dedans. Pour approfondir, est-ce que Anne peut nous poser la question suivante ? Le diagnostic, souvent, pour avoir un diagnostic, ça prend du temps. Et après, le diagnostic arrive après des hésitations. Et est-ce que le diagnostic, au fil du temps, change et pourquoi ? Faustine, Denis, est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage ? Alors, je vais reprendre des choses qui ont déjà été dites hein, auparavant en réponse à la première question. C'est que déjà, pour poser un diagnostic, il y a un certain nombre de signes. Il y a différentes classifications hein, qui ont déjà été énoncées, hein, des classifications plutôt franco-germaniques ou plutôt anglo-saxonnes. Donc, selon les différentes classifications, il n'y a pas forcément au même instant les mêmes symptômes. Donc, on peut se retrouver dans une classification avec un certain nombre de symptômes qui vont nous donner un diagnostic. Et dans l'autre, il n'y a pas suffisamment tous les éléments. Donc, selon la classification qui peut être prise, on peut, à un moment ou non, donner un diagnostic. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comme ça a déjà été dit auparavant, on n'a pas de choses certaines pour donner un diagnostic. À l'heure actuelle, on n'est pas comme dans d'autres spécialités, hein, comme en somatique, où on a des bilans biologiques, où on a des radiologies, où on a, vous parliez de biopsie, qui nous permettent objectivement de pouvoir poser un diagnostic. Je fais une petite parenthèse, mais je me souviens que j'avais un professeur qui nous avait fait un cours sur la psychiatrie et qui nous avait dit que finalement, on était un peu comme la pneumologie au début du siècle dernier, quand on n'avait pas tous les examens complémentaires, c'est-à-dire que
On voyait que le patient pouvait, par exemple, être un peu encombré au niveau des poumons, ou alors il pouvait avoir de la fièvre, ou alors il pouvait cracher du sang ou cracher autre chose. Et c'était sur ces éléments indirects qu'on posait un diagnostic. En psychiatrie, à l'heure actuelle, on est encore un peu à ce stade. Alors, la recherche évolue, hein. On a de plus en plus d'hypothèses avec des corrélations neuro-anatomiques qui nous permettent d'avancer, mais on n'a pas de choses précises diagnostiques. Donc, on est toujours dans un flou et parfois, ben, on peut se tromper dans un diagnostic et ça peut faire que plus tard, avec l'évolution, avec l'apparition de nouveaux symptômes, les choses s'éclaircissent. Et en complément, Faustine, ce qu'on remarque aussi assez souvent, c'est que le diagnostic, comme c'est basé sur c'est symptomatique, c'est un certain nombre de symptômes qui s'expriment à un moment donné, bah, avec l'âge, avec les circonstances, il y a d'autres symptômes qui peuvent se révéler. Et du coup, on les avait pas vus au début et on va les voir ailleurs plus tard. Je crois que la prochaine question, Shadia, porte justement là-dessus. Oui. Justement, est-ce qu'un changement de diagnostic, c'est quelque chose qui est arrivé à l'un d'entre vous? Et puis, de savoir comment finalement vous l'avez vécu, ce changement de diagnostic. Est-ce que Claire Chardin ou Philippe Maugiron peuvent nous donner des éléments sur cette question? Philippe, non plus? Alors, non, moi, je ne suis pas qualifié sur cette question d'avoir eu un diagnostic qui a évolué. Par contre, quand je pense diagnostic, et on a évoqué diagnostic précoce, il semblerait qu'effectivement, sooner the better, parce que plus la personne est accompagnée de façon précoce, plus élevées sont ses capacités de rétablissement du point de vue des soignants. Moi, je relis toujours diagnostic à annonce de diagnostic. Parce que parfois c'est pas bien fait du tout l'annonce d'un diagnostic et c'est surtout l'entrée dans la stigmatisation. Lorsqu'on dit à une personne, monsieur, vous êtes par exemple schizophrène ou vous êtes bipolaire, surtout lorsqu'on a affaire à des personnes qui sont jeunes, entre 20 et 25 ans, qui ont un projet de vie, qui ont des études, qui ont probablement une histoire affective, qui ont des projets et qui s'installent dans la vie et qui rentrent dans un bureau pour une consultation et on leur annonce « Monsieur, vous êtes schizophrène à cette occasion. » Il y a quelque chose d'extrêmement de violent qui s'installe, qui s'imprime, parce que ça génère une espèce de changement d'identité. C'est-à-dire de monsieur X, hein, qui a un projet de vie, l'avenir est devant lui, il ressort, c'est avec une espèce de condamnation sociale qu'il va porter et un sac à dos qu'il va devoir trimballer. Donc je crois que lorsque l'on parle de diagnostic, il faudrait toujours associer annonce de diagnostic derrière. Et on a pu remarquer qu'il y a probablement de grands efforts à faire et une éducation particulière auprès des soignants qui ont la charge de l'annonce d'un diagnostic, éviter justement ces moments qui sont d'une violence inouïe ou que les personnes n'oublient pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est revenir sur la manière. Donc, on annonce un diagnostic. Le diagnostic, c'est le domaine de la science. On l'a dit, quel est le premier des sens qui est sollicité par la science? C'est la vision, c'est l'observation. Et donc, comme on l'a dit, effectivement, il s'agit d'observer des signes qui sont spécifiques, que l'on appelle des symptômes, que l'on relie entre eux, parfois de façon suffisante et parfois non. Donc, il y a aussi un risque et donc un niveau de certitude qui n'est pas toujours le même à l'annonce d'un diagnostic. Et donc, on relie ces signes spécifiques, les symptômes, pour aller vers un diagnostic qui génère la plupart du temps un traitement. Voilà un petit peu comment les choses se passent. Donc, il y a un point de vue, je dirais, scientifique et aussi un point de vue social. Et dans le cas du rétablissement au sens large, il ne s'agit pas de dissocier le sanitaire et le social. Et en France, malheureusement, dans nos prises en charge ou dans les réponses qui nous sont proposées, trop souvent, on fragmente les points d'accompagnement. Carole souhaitait intervenir tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Dans la mesure où je corresponds, disons, à la question qui avait été posée initialement, parce que j'ai eu trois diagnostics successifs. Tout d'abord, dépression chronique, ensuite bipolarité et ensuite borderline. Et encore, on se pose la question. On n'est pas sûr. Toujours pas sûr et j'ai 51 ans. Hein. Peut-être un peu tout. On a penché, le plus récemment, on a penché donc plutôt pour borderline, donc ce qui suppose aussi une médication qui va avec, bien sûr. Le côté positif, quand on a un diagnostic, c'est que quand on nomme, on a l'impression qu'on maîtrise mieux, parce que nommer, c'est prendre, c'est maîtriser. Et puis, ça répond aussi à une question un peu existentielle d'identité, parce que quand on tombe malade jeune, disons vers 17-18 ans, on se dit, mais je suis qui, je suis quoi? Je ne me comprends pas, je ne sais pas ce que j'ai. C'est une question d'identité, mais en tout cas pour moi, ça l'était à 17 ans. Je me disais, mais j'ai quoi? Qui suis-je? Même si je n'aime pas dire je suis tatata parce que ce n'est pas juste, mais je pense que le diagnostic peut contribuer à mieux saisir sa propre identité. Mais cette identité, une partie de cette identité, c'est justement cette maladie, quelle qu'elle soit, avec toutes les autres facettes, que par exemple, je suis une maman, je suis la tante de tatata, etc. Donc, il n'y a pas que la maladie. Mais je pense que du point de vue de l'identité, ça peut être utile à un moment donné, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'y comprends rien. Mais Carole, alors, du coup, le fait qu'on ait changé de diagnostic, est-ce que tu as changé d'identité? Non. Donc, qu'est-ce que ça a amené le fait de changer de diagnostic pour toi? Écoute, franchement, pour moi, rien. Rien du tout. En fait, ma médication, elle a fait que baisser à mesure que les années ont passé. Et puis pour moi, franchement, en ce moment, mais peu importe, quoi. C'est-à-dire que je suis bien avec ma médication, et puis peu importe finalement si je suis borderline ou autre chose. Vu qu'on n'arrive pas vraiment à le déterminer de façon certaine, j'ai, entre guillemets, accepté le fait que c'est complexe, puis que je suis peut-être complexe, qu'on est complexe, puis que ça, des fois, ça échappe, quoi. Mm-hmm. Anne, on peut peut-être enchaîner sur la prochaine question. Juste une toute petite précision, si vous me permettez, par rapport à l'identité. Une évolution que je voulais souligner dans la littérature internationale, où lorsque, dans les années 90, on publiait, on écrivait le schizophrène, et puis, les choses ont évolué, c'est devenu le patient ayant une schizophrénie, et maintenant on parle de personnes qui souffrent ou qui sont atteintes d'une maladie schizophrénie. Et bon, d'autant pourrait dire que c'est du politiquement correct, je pense qu'au contraire, c'est une prise de conscience réelle que la personne n'est pas définie par sa maladie, qu'elle a son identité, qu'elle a un problème de santé, qu'il faut qu'elle prenne en compte pour progresser dans la vie, mais ça ne la définit pas en tant que personne. Dans justement les changements de diagnostic, on entend souvent qu'une personne reçoit un diagnostic, par exemple, de bipolarité, et tout à coup, un peu après, ça devient un trouble schizoaffectif. Alors, parfois, les gens ont l'impression que le terme schizoaffectif est un grand fourre-tout. Alors, qu'en est-il et quelle est la différence entre les deux? Sylvain Régnier, est-ce que vous voulez répondre? Je vais tenter une réponse sur les questions de classification. C'est vrai que la manifestation en fait de certains troubles n'est pas stable et pas équivalente au fur et à mesure du temps. Pour redéfinir plus sur la question de la différence entre un trouble bipolaire et un trouble schizoaffectif, on se réfère aux classifications qui distinguent les critères. Ça marche bien dans certaines situations, dans d'autres situations ça ne marche pas bien, et c'est pour cela en gros que des approches plus dimensionnelles nous montrent qu'en fait en différents diagnostics il existe des dimensions communes, ce qui a un peu amené à la notion justement du trouble du spectre de la schizophrénie, dans laquelle on met justement la schizophrénie, le trouble schizoaffectif entre autres. Dans certains cas il est plus facile de différencier les choses, dans d'autres cas il est plus difficile.
Juste pour rajouter aussi, Alain Française disait finalement faire un diagnostic, ça revient à faire le film de quelque chose. Et souvent, en tant que clinicien, nous, on peut faire à un instant donné une photographie. Et c'est l'ajout de ces différentes photographies qui mettra de la cohérence, qui validera finalement un diagnostic porté à un moment donné, ou invalidera et amènera justement à reconsidérer le diagnostic. En sachant que, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, on est un peu jaloux d'autres spécialités médicales qui ont, en plus de leur clinique, des biomarqueurs, des dosages, de l'imagerie qui permettent d'affirmer un peu plus le diagnostic. C'est une vraie question, c'est loin d'être une question très simple, en fait, cette question du diagnostic et de l'évolution du diagnostic. Eugène Bagienasonga. Oui, il y avait juste par rapport à ce dernier point. Le gros handicap, je pense, pour un médecin, en tout cas pour moi, c'est de revoir quand même le fait que ces classifications ont été construites d'une manière extrêmement verticale dans toutes les disciplines. Mais il arrive, et dans les autres disciplines aussi, de se rendre compte qu'on a parfois cru quelque chose pendant des décennies et qu'en fait, si on le lit autrement, on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être un élément important. Il y a 3 ans, on s'est rendu compte que le mésentère, qui est une couche graisseuse avec des vaisseaux qui se trouvent au niveau de l'abdomen, était une couche graisseuse, point. On se rend compte maintenant qu'en fait, elle a une valeur organique dans le corps humain et qu'elle joue un rôle. Il y a quelques décennies, on pensait que les bactéries dans notre intestin n'avaient pas beaucoup de valeur. Maintenant, on se rend compte qu'en fait, elles jouent un rôle et même un rôle sur l'inflammation cérébrale. Donc, la médecine est effectivement mouvante parce que le corps humain n'est pas comme un morceau de bois. D'ailleurs, même un morceau de bois n'est pas si simple que ça. Et au fur et à mesure, on se rend compte que les interactions entre différentes pathologies est plus complexe et que le syndrome tel qu'on l'appelait jusque-là n'était pas bon ou n'était peut-être pas bien nommé. D'où l'importance, comme le disait M. Lénier, moi je trouve, de pouvoir parler aussi des symptômes, de parler qu'est-ce qui s'est passé là. Il y a autant de schizophrénie, je pense, autant de troubles du spectre psychotique que de personnes, avec chacun une expérience différente, d'autant plus qu'on parle de pathologie fonctionnelle. Donc, quelque part, il ne s'agit pas d'une cellule brisée de telle manière, il s'agit d'un fonctionnement de telle manière dans un environnement donné, dans une quête identitaire donnée. Et donc, on doit nous s'adapter en reprenant les plaintes des personnes quelque part ou la manière dont ils nous l'ont présenté et en le ramenant au plus près des signes que l'on connaît et en reconnaissant aussi que nous sommes des observateurs avec des biais. Voilà. Mais c'est un début de dialogue et je crois que c'est important que ça... Laurent Lefebvre, est-ce que tu pourrais nous partager comment pour toi la nomination de tes troubles a évolué de ton point de vue de père aidant, parce que tu as fait un chemin là-dessus? Oui, alors effectivement, sur le vocabulaire, avec le chemin de rétablissement, il y a eu un changement. Je ne parle plus de délire, je parle de sortie de réalité générale. J'essaye effectivement... Ça m'a amené à bien réfléchir sur les mots employés. Et aujourd'hui, je ne me considère plus comme malade, mais ayant quand même une singularité psychique. C'est quand même une grande évolution pour moi. C'est vrai que le problème du diagnostic, et je reviens sur ce que disait Philippe Maugiron aussi, c'est que c'est important comment qu'est-ce qu'on dit avec le diagnostic ? Parce que si on dit vous allez être sur une voie de garage et puis c'est fini pour vous, c'est sûr que c'est ce qu'on a dit à Patricia Deegan aux États-Unis et puis elle est devenue psychologue, ou psychiatre, je sais plus, mais bref. En fait, il faut, quand on donne le diagnostic, il faut dire tout de suite maintenant, il y a des possibilités de rétablissement, il y a vraiment, vous pouvez changer. Prendre du pouvoir sur votre vie, reprendre du pouvoir sur votre vie et quelque part être différent, bien sûr, mais avec des perspectives d'avenir très positives. En tout cas, aujourd'hui, on peut le dire, ça, c'est clair. Je trouverais intéressant, pardonnez-moi, mais de demander aux proches aussi comment ils ont vécu ces questions diagnostiques, Véronique Ratzborn ou Emmanuel Raymond. Comment vous vous situez, vous, sur ces aspects de diagnostic ?
Emmanuel, hein. Moi, je suis fille d'eux. Alors, je suis fille. Donc, du coup, je suis enfant. Ils ont aussi des enfants. Enfin, moi, j'ai vécu avec un papa extraordinaire. Alors, Laurent, quand vous dites la singularité, vous m'entendez ou c'est compliqué ? On vous entend bien, on vous entend bien. Laurent, ça m'a super touché ce que vous avez dit sur la singularité parce que moi, j'ai vécu… Enfin, c'est ça que j'ai ressenti d'avoir un papa singulier. Voilà, moi, par rapport au diagnostic, comme personne ne disait rien, puis on allait chez le psychiatre qui ne nous regardait pas, on était dans la salle d'attente et on ne savait pas où on était. Moi, je pensais que mon papa, il avait un cancer de la tête et que c'était super grave. Je voyais bien que ça n'allait pas et personne ne disait rien. Et donc, voilà. Et comme il était un peu extraordinaire, ben, les enfants dans mon école, à la primaire, eh ben, ils ne voulaient pas s'asseoir à côté de moi. Et après, quand on a donné le diagnostic, alors je dois vous dire, mon papa, qui était très inquiet pour nous aussi, parce que c'est des papas aussi, ben, il était un peu… il y avait un mot qui avait été mis. Ça a pris autant de temps que vous, Laurent. Voilà, ça a pris beaucoup de temps. On est 5 enfants. Voilà, c'est un super grand-père, je vous le dis. C'est quelqu'un de génial, mais qui a cette fragilité, cette singularité. Voilà, donc… Après, j'ai découvert ce que c'était. Moi, je l'ai appris à 12 ans ce que c'était. Mes parents sont assez jeunes. Et après, moi, je ne savais pas ce que ça signifiait, schizo. Enfin, d'après, les gens disent schizo et j'ai compris que c'était grave dans l'esprit des gens. Mais pour moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas, vous voyez, ce que ça voulait dire vraiment. Pour moi, c'était mon père. Donc, le diagnostic, en même temps, ça m'a apporté des réponses et à mon papa, ça l'a un peu soulagé. Et ça m'a apporté beaucoup de souffrance aussi par ailleurs. Mais cette relation, elle est particulière. C'est pour ça que j'ai fait un film aussi, pour parler de cette place d'enfant où je suis. Et donc voilà, c'est tout. Emmanuel Raymond ? Oui, vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, très bien. Écoutez, oui, alors à l'UNAFAM, nous avons des enfants. Comme vous Je suis dans le groupe fils et filles de l'UNAFAM, enfin pas adhérente UNAFAM, mais dans le groupe qui est à Créteil. Voilà. Voilà. Et nous avons aussi des conjoints, et nous avons une majorité de parents. Et en général, ce qui se passe quand c'est des conjoints ou les parents, il y a toujours la grande angoisse, c'est de dire mais qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'il a. Et quand il y a l'hospitalisation ou un suivi psychiatrique et qu'on dit oui, la médecine vous dit oui, il y a quelque chose. Dans ces cas-là, vous avez une espèce de soulagement, c'est ce que nous disent nos adhérents, toutes les familles que nous rencontrons. Ah, je ne m'étais donc pas trompée, parce que les collègues de la CAFET qui vous expliquent que c'est juste une crise d'adolescence et que lui c'est pareil et que ça, chez eux c'est pareil et que ça va passer, là, tout d'un coup vous retrouvez une légitimité en disant mais je ne m'étais pas trompée, il y a bien quelque chose qui cloche. Et la deuxième étape, c'est quand il y a l'annonce du diagnostic, alors là ça peut être la chape de plomb. Donc, passer de « qu'est-ce qu'il a ?»« Ah, mais oui !» et « ah, il est, elle est schizophrène, bipolaire, maniaco, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, borderline, toutes ces… » Donc, il y a cette succession de chocs que vivent les familles qui est très violent. Et je trouve que parler aux familles tout de suite de rétablissement, c'est essentiel également. Parce qu'elles aussi, elles ont besoin d'espoir, comme le proche, pour accompagner leurs proches, parce qu'on sait que c'est des maladies qu'on soigne, mais qu'on ne guérit pas. Stéphanie Lemestré. Votre micro, ouais. Stéphanie. Voilà, pour les enfants, je vais juste dire, quelque part, voilà, pour moi, c'est difficile d'entendre ça, ce que vous venez dire, on ne guérit pas, parce que voilà, ça se définit. Bah, pour moi, ça veut dire que d'autres parents, et fort heureusement. Et... Pour ma part, on soigne mais on ne guérit pas, c'est absolument comme un diabète. C'est comme quelqu'un qui a une faiblesse cardiaque. Voilà. Il y a un deuil. On va pas. Et je trouve qu'ensuite, il faut donc. À nous donner, accompagner cette maladie, ce trouble.
Moi, je suis là pour être dans une relation, voilà quoi. Donc, c'est dans une relation qui n'est pas dans une relation de soin ou de prendre soin, c'est dans une relation humaine de papa, de maman. Voilà, je vous dis, dans le dernier baromètre, il y avait, vous pouvez être papa, maman, vous pouvez être frère, sœur, mari, femme, et autre, c'est les enfants. Et les enfants, les chiffres ont été marqués en Finlande et en Scandinavie. 38% des personnes suivies en psychiatrie ont des enfants, c'est énorme. Donc voilà, donc je voudrais dire à tout le monde ici, et en particulier à Laurent, que voilà, cette question-là du rétablissement de tout ça, elle est importante. Voilà, moi j'ai grandi, on est 16 dans le groupe INAFAM de Créteil, donc il y a 16 fils et filles d'eux, alors on est majeur parce qu'on n'a pas de, on a pas de groupe d'enfants mineurs. Et voilà, je ne voudrais pas prendre trop longtemps la parole, mais je voulais témoigner aussi devant vous de ça, et que ils ont ces ressources-là pour nous les enfants. Et bien sûr, il y a ces fragilités, et mon film en parle aussi de ça, mais c'est quelque chose où il y a à la fois cette fragilité et ces ressources. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est aussi ce qu'on découvre avec le rétablissement, c'est que l'existence d'une maladie fût-elle chronique, quelle que soit d'ailleurs sa nature, n'est pas rédhibitoire de pouvoir avoir du contrôle sur sa vie, de mener une vie épanouissante et d'exercer ses compétences dans sa famille, autour de soi, etc. Ça, c'est un des principes très importants du rétablissement. Stéphanie Lemestré souhaitait intervenir tout à l'heure. Oui, je voulais intervenir par rapport à ce qu'Emmanuel disait, parce que je trouve que ce qui est important, oui, l'annonce de diagnostic est important, mais il faut pas, c'est un choc pour la famille, en effet, parce que moi, je travaille dans une association de famille en Belgique, mais il ne faut pas oublier aussi tout ce que ça provoque comme émotion chez la famille, la culpabilité, le sentiment d'impuissance, de la colère, de la tristesse, et de l'injustice aussi, parce que bien souvent, les professionnels ont tendance à rendre responsable la famille de l'apparition de la maladie. Qu'on parle, nous, on entend encore bien souvent des familles toxiques, les familles inadaptées. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout après par rapport à la prise en charge. Mais c'est ça aussi, tout ce que ça véhicule. La pose d'un diagnostic, elle est importante parce que ça va aider à pouvoir se faire soigner ou comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut oublier le choc, je le lis dans les commentaires, tous les nombreux commentaires, il y a tout ce choc que ça amène et tout le côté émotionnel, et c'est important de prendre en charge aussi et d'être attentif à cette bombe qui tombe pour les familles et pour le patient, quoi. Oui, je vous suis complètement, Stéphanie, quand vous avez parfaitement illustré et développé ce qu'il y avait sous le mot que j'employais de choc. C'est exactement ça. Nadia, je te propose d'enchaîner directement sur la question 1.10, parce que la plupart des points ont été déjà abordés dans les réflexions. Oui, alors du coup, cette question, c'est à quoi la recherche fondamentale sert-elle ? L'expérience des patients serait-elle utile ? Perrine, qui fait de la recherche, qu'en pensez-vous ? Alors, si on entend recherche fondamentale, la recherche sur les neurones, sur l'action des médicaments, c'est ce qui effectivement a fait progresser les médicaments dont nous disposons actuellement. Ce qui était prescrit il y a 10-15 ans et ce dont nous disposons actuellement a beaucoup progressé, sans doute pas suffisamment. C'est vrai que quand il y a 10-15 molécules qui apparaissent sur le marché pour soigner une hypertension, nous, psychiatres, on n'a encore pas grand-chose à notre disposition. On a tout cumulé, 50-60 molécules, si vraiment on va gratter dans les coins, absolument. Mais cette recherche, elle est effectivement absolument importante pour pouvoir faire avancer les choses dans le soin. Quelqu'un tout à l'heure soulignait qu'on ne guérit pas de la maladie. Effectivement, ce n'est pas nos médicaments qui permettent de guérir. Certains patients guérissent, mais souvent, moi, je dis, s'ils guérissent, ce n'est pas grâce à moi, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ce qu'on sait faire, c'est stabiliser avec les médicaments. Et là, c'est important, effectivement, de pouvoir avoir cette dimension-là.
À côté de ça, il y a plein d'autres recherches qui sont très appliquées. Par exemple, à Caen, actuellement, nous avons un protocole de recherche qui essaie de montrer l'impact positif du sport adapté sur l'évolution de la maladie chez les patients souffrant de schizophrénie. Et là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre presque du quotidien. D'autres protocoles vont travailler sur la capacité des personnes à pouvoir attribuer des intentions à autrui. Tout ce qu'on fait quand on dit « je pense qu'il pense que », hein, qui peut être modifié, altéré pour certaines personnes dans la maladie schizophrénique. Toutes ces recherches-là, elles permettent de mieux comprendre les bases, hein, les sous-bassements de la maladie et de progresser dans sa compréhension. Pour revenir sur le petit, sur l'affiche et le film explicatif, moi, ça m'a évoqué un concept qui n'est pas si vieux que ça, hein, puisque c'est Pierre Lalonde à Montréal qui l'a codifié, quel concept de stress-vulnérabilité, hein, le modèle biopsychosocial, où là, on sait que le patient qui souffre de schizophrénie va être beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible par rapport au stress, il va être beaucoup plus vulnérable, et que donc il va falloir lui inventer des coquilles. Moi, souvent, je parle de crème solaire, puisqu'en Normandie, le soleil, il faut s'en protéger quand il est là, parce qu'on n'a pas l'habitude. Je dis, votre médicament ou la technique de soins qu'on met en œuvre, c'est la protection qui va vous permettre de ne pas attraper de coups de soleil. Ou si vous allez vous baigner, ça va être la combinaison qui va vous protéger. Eh bien, nous, là, on avait des Bernard Lhermitte qui cherchaient leur coquille. C'est vraiment, je trouve, l'illustration de ce concept-là qui est une autre façon de faire de la recherche et d'évoluer dans le soin de la maladie et sur le chemin du rétablissement. Toutes ces choses-là sont vraiment intriquées. Et effectivement, par rapport à l'expérience du patient, on ne peut pas faire de recherche si on ne travaille pas avec des personnes qui souffrent de la maladie, parce que personne n'est plus expert de la maladie que celui qui la vit à l'intérieur de lui-même. Donc, faire ce travail-là avec l'interaction, avec le retour des patients, est fondamental. Et fait avancer les choses. Oui, même Fabienne, si on aimerait que ça aille plus vite. Pardon, Perrine. Fabienne, je crois que vous avez aussi une expérience sur l'articulation entre recherche et expérience des patients. Effectivement, je coordonne un projet qui s'appelle Meeting for Minds Synergy, qui permet en fait la rencontre entre des chercheurs qui étudient le cerveau, souvent des neuroscientifiques, et des personnes qui ont l'expérience de la maladie. Ils sont dénommés dans le projet PLEX, des People with Lived Experience of Mental Illness, et ils ont le titre de partenaire de recherche. Et pendant ces rencontres, il y a des discussions très enrichissantes autour de la recherche et d'autres thèmes qui croisent justement le savoir scientifique et le savoir expérientiel en fait, des personnes concernées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un apport mutuel en fait, de ces échanges. Ben, les PLEX, les personnes concernées qui ont l'expérience de la maladie, ils apprennent en fait de la recherche, ça ouvre la porte à ces recherches et ça permet de mettre un nom sur des choses qui vivent en fait, qui va au-delà d'un diagnostic, on a parlé du diagnostic avant, mais qui parle plutôt qui permet de comprendre en fait un certain fonctionnement en fait. Et d'un autre côté, ça leur donne aussi en fait la possibilité de valoriser en fait leur expérience parce qu'ils peuvent apporter quelque chose aux chercheurs qui s'intéressent beaucoup en fait à ce vécu. On a une chercheuse par exemple qui dit souvent que en fait les personnes qui ont l'expérience de la maladie, les gens qui sont impliqués dans le projet, les PLEX, ils transmettent en fait un savoir qui ne se trouve pas dans les livres en fait. Ça va au-delà du savoir théorique et qu'il est très complémentaire à ce qu'elle connaît. Et ça donne aussi, ça humanise la recherche et donne la motivation et un sens à son travail aussi. Ça donne un sens au vécu des personnes et un sens aux chercheurs. Et dans ce sens-là, c'est aussi très
un échange très déstigmatisant. En fait, ça permet de déstigmatiser la maladie parce qu'on parle plutôt de fonctionnement. Ça permet de montrer que les personnes qui ont vécu de la maladie ont quelque chose à dire, qu'ils ont un savoir, que ça vaut la peine de les écouter et qu'il y a un intérêt en fait de la part des chercheurs. Et ça permet aussi de ces échanges qu'on a, ils sont filmés. Ils sont publiés sous série sur notre site internet, si ça vous intéresse. Ça permet aussi de suivre ces échanges. Ça permet à d'autres personnes en fait de les suivre, de voir ce qui se passe, de ce qui est dit, qui permet de rompre le tabou et d'apprendre en fait de ce qui se passe dans la recherche. Et permet aussi à des places à s'exprimer. Et voilà. Je crois qu'Alexandre de Connor voulait intervenir tout à l'heure. Oui, du coup, je vais compléter juste un petit peu ce qui était dit sur cette question sur la recherche fondamentale. Pour le coup, dans notre service, c'est beaucoup les psychologues qui mènent pas mal de projets de recherche. Et je regarde par rapport aux commentaires, nous, les médicaments, les psychologues, on s'en fiche un petit peu. Et du coup, la recherche fondamentale va nous permettre d'avoir déjà une bonne compréhension de certains mécanismes pour après proposer des thérapies qui sont donc non pharmacologiques pour pouvoir aider sur accompagner sur certaines problématiques. Et on a vraiment besoin de la participation des gens pour faire ça. Je pense au centre de rétablissement de Montpellier, en tout cas on sollicite beaucoup les usagers pour qu'ils nous aident dans ces recherches. Et par contre on essaie d'expliquer aux gens à quoi ça sert, pas juste dire venez participer à notre recherche. Le but, c'est d'expliquer à quoi ça va servir, parce que sur le coup, ça paraît très abstrait. C'est des choses, des expériences qui paraissent un peu bizarres, des trucs. Et pour les gens, ce n'est pas très concret. On se dit comment ça va m'aider, ça. Ben non, sur le coup, ça n'aide pas, c'est vrai. Mais grâce à quelques années, grâce à ce début de travail, après, on peut développer des thérapies et des choses qui vont pouvoir aider. Mais on ne peut pas se lancer, créer une thérapie basée sur rien. Et voilà. Donc, du coup, en fait, merci à tous les gens qui nous ont aidés à comprendre, à aider nos recherches. Et voilà, en fait, du coup, c'est très, très important de nous aider à mieux comprendre pour qu'on puisse aider les usagers. Est-ce que Laure Favre souhaiterait intervenir aussi ? Oui, je rejoins ce que vient de dire mon collègue Alexandre de Connor. Effectivement, et c'est aussi ce qu'on fait dans la pratique au quotidien, c'est ce partage d'expertise. À la fois notre expertise, nous, en tant que cliniciens, ces connaissances qu'on a acquises, ces formations que l'on mène au fur et à mesure de notre carrière, mais aussi le partage et l'expertise de nos usagers au quotidien qui viennent partager à la fois leurs questionnements, leurs questions existentielles, leurs difficultés, mais aussi pouvoir nous donner leurs ressources, leurs bonnes compétences sur lesquelles ils s'appuient au quotidien pour faire face et pour favoriser leur rétablissement. Donc c'est vraiment un partage d'expertise qui est très riche à la fois sur le plan clinique et notamment sur la recherche également. Martina, en tant qu'infirmière et en Suisse, comment ça se passe les rapports entre patients, soignants, techniciens, familles? Votre micro, oui, merci. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que moi, je travaille dans un service de psychiatrie hospitalière donc, qui accueille des patients qui sont donc en crise. C'est vrai qu'on essaye de plus en plus de travailler avec les familles, avec les proches, parce qu'on sait que finalement, nous, à l'hôpital, on voit les patients une fois de manière ponctuelle et cette reconnaissance justement du vécu expérientiel autant des patients que des proches me semble une notion extrêmement importante et même fondamentale. Parce que c'est vrai, on parlait tout à l'heure de la question aussi du diagnostic. Très souvent, nous, on s'attarde un petit peu sur les symptômes que la personne peut présenter de manière ponctuelle. Mais après, c'est beaucoup les proches et la personne en elle-même qui peut nous parler finalement de son vécu avec les symptômes, qu'est-ce qui est le plus gênant, qu'est-ce qui a été aidant par le passé, qu'est-ce qui n'a pas été aidant. Donc, c'est vrai que, ce partenariat finalement entre les patients, les professionnels et les proches est extrêmement important dans notre travail au quotidien. Anne, peut-être que tu peux poser la dernière question sur le diagnostic. Une réponse très courte et on fera la transition sur le deuxième chapitre, les thérapies. On parle de celle qui concerne les voix. Oui.
Alors, quelle est la relation entre troubles psychotiques et entente de voix? C'est un témoignage de Thomas qui dit qu'il y a trois solutions. Ou je suis dans le silence, donc pas de voix, pas de troubles psychotiques. Ou j'entends des voix et, sans troubles psychotiques. Ou j'entends des voix avec des troubles psychotiques. Et il ajoute que la prise d'antipsychotiques, les efforts quotidiens et constants qu'il fait pour revenir au silence sont vains. Alors, par quels moyens arriver à vaincre les voix, ainsi que les voix et les troubles psychotiques? Ce serait intéressant de croiser un avis technique et un avis d'expert de vécu. Je propose à Faustine peut-être de tenter une réponse en tant que psychiatre. Et les experts, signalez-moi si vous souhaitez intervenir sur la question. Alors, si j'ai bien compris la question vis-à-vis du témoignage, c'est un usager qui dit que malgré tous les efforts qu'il fait et malgré un traitement médicamenteux, il continue à avoir des voix. Et de la façon qu'il le décrit, j'ai l'impression que ces voix, c'est quelque chose qui le dérange. En tout cas, c'est quelque chose avec lequel il n'est pas bien. La première réponse que je vais donner en tant que psychiatre. Hein. Juste pour rappel, moi, je travaille à l'hôpital au sein d'une unité fermée. Donc, j'accueille les patients dans les moments de crise et les moments de décompensation majoritairement. La première réponse que je vais donner, ça va être une réponse de psychiatre qui est peut-être que le traitement médicamenteux n'est pas assez adapté. Ça, c'est une réponse médicamenteuse. Après, il y a des autres réponses qui ne sont pas médicamenteuses, il y a des thérapies, et notamment là je pense au TCC, donc aux thérapies cognitivo et comportementales, qui peuvent permettre de gérer les voix. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'outils, avec des outils de distanciation, des outils de résolution de problèmes par exemple, qui vont permettre de pouvoir gérer ces voix. Donc, la prise en charge peut être médicamenteuse, mais pas seulement, il y a aussi d'autres outils non médicamenteux, qui peuvent aider dans le cadre de ce témoignage. Après, je ne sais pas si j'ai d'autres collègues, confrères ou d'autres intervenants qui veulent compléter par rapport à ça. Alexandre de Connor. Oui, du coup, effectivement, enfin, aujourd'hui, pour les voix, il existe des thérapies, les TCC des voix, donc les thérapies cognitives et comportementales, avec aussi une approche qui a bien changé, puisque maintenant, le but, c'est d'apprendre à vivre avec ses voix. En fait, effectivement, elles sont là. Et la question aussi, se demander, est-ce que c'est psychotique d'entendre des voix? Bah non, en fait, il y a plein de gens qui entendent des voix et qui sont pas, qui n'ont pas de diagnostic quelconque. Et en plus, c'est un symptôme aussi qu'on peut retrouver dans pas mal de pathologies, pas du tout que les troubles psychotiques. C'est très fréquent, par exemple, dans les troubles borderline. Alors après, on peut se poser la question. Enfin, bref, et c'est très fréquent dans les troubles borderline. Et du coup, aujourd'hui, l'important, c'est de savoir que sur la thérapie des voix, on apprend pas à les faire disparaître, pas à les virer, pas à considérer que c'est quelque chose en trop, mais que c'est quelque chose avec lequel on peut vivre. En fait, c'est un colocataire qui, des fois, n'est pas très sympa et on apprend à le remettre un peu à sa place et à vivre mieux avec lui. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important de savoir que ça existe et qu'on peut le faire. Est-ce qu'un de nos pères aidants aurait une expérience sur le sujet à nous partager ou pas? Alors, moi, j'ai eu des problèmes d'entente de voix que pendant mes crises dites positives, c'est-à-dire avec des hallucinations, effectivement. Mais ensuite, je n'ai pas ce problème-là par la suite. Par contre, ce que je peux donner comme information, c'est qu'il y a le mouvement Le Rêve, REV, qui est une organisation d'entendeurs de voix, qui font des groupes de parole un peu partout, effectivement, et qui partagent leurs expériences concernant l'entente de voix. Et effectivement, bien souvent, le problème des médicaments sur ce problème-là est assez difficile par les médicaments, en fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre en commun les expériences, comment convoquer les voix, ce que vous disiez tout à l'heure, avec des TCC, hein, des thérapies comportementales cognitives, effectivement, qui sont plus à même que les médicaments pour gérer le problème des voix. Alors, je vous propose, avant de passer à la thérapie, de faire un tout petit moment de pause
et d'avoir une transition avec le teaser du film réalisé par Véro, La forêt de mon père. Alors, je crois qu'il y a eu un problème de son tout à l'heure. Je vais essayer de le résoudre. Faites-moi signe si vous n'entendez pas le son. Ouais, c'est une petite vacances. Il croit que la forêt est à lui, mais elle est à tout le monde. Tout est à nous. Ouais, ouais. Laissez les enfants, j'arrive pas à me concentrer. Pourquoi t'as acheté la télé? J'en rachèterai une. Avec quel argent? Qu'est-ce qui s'est fait virer? Ça suffit. Arrête de compter. Prenez tout ce que vous voulez. On n'a qu'à tout laisser ici. Ils verront pas. Attendez-moi dehors, les enfants. On va rentrer par la forêt. Je vais avec nous, s'il vous plaît. Lâchez-le ! C'est grave. C'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à vous. À vos enfants. Je peux pas lui faire ça. Il sera très bien soigné. Tu vas te renfermer, c'est ça la vérité. Mais qu'est-ce que tu crois? Je crois que c'est facile pour moi. Gina! Vous êtes tous tarés ou c'est juste votre père? Tu crois que je suis comme papa? Voilà. J'espère que vous avez pu voir l'image pas trop saccadée et que le son était bon. Véro, tu veux dire deux mots? Oui, alors bon, il va sortir le 8 juillet. Donc voilà, je vous annonce qu'il y aura 70 cinémas, 70 cinémas en France. Voilà, donc il sort le 15 juillet en Belgique. On pourra le voir à Paris dans des cinémas UGC, aussi en banlieue, donc dans des cinémas grand public. C'est un film qui parle d'amour, de famille. J'ai vu, Pierre-Louis, que vous avez dit ça va vous faire pleurer. Ce n'est pas que des larmes, hein. C'est aussi des ressources, c'est de l'amour. Et ça fait irruption. La maladie fait irruption. On ne comprend pas, mais ce n'est pas un film médical. C'est un film sur une famille qui s'aime, sur les ressources qu'on peut avoir. Et ce n'est pas les bisounours. Hein. Ça marque, on a tourné dans un vrai hôpital à Bailleul. Donc, ça parle de ça aussi, de mon point de vue, du point de vue des enfants, de ce qu'on voit, de la violence qu'il y a, mais aussi d'amour. Voilà, je vous invite. J'ai besoin de votre soutien parce que je me suis battue avec des associations, dont Similes, dont l'UNAFAM Val-de-Marne qui m'a fait des lettres, dont le Biceps, voilà, pour dire aux distributeurs, il y aura un public pour ce film. Voilà, d'accord, ça fait peur, mais c'est votre problème à vous, quoi. Là, moi, je vais montrer autre chose. Les personnages, ils sont beaux. On sait que la maladie, ça peut aussi abîmer les proches et tout ça, mais moi, je ne veux pas faire un truc de militant, je veux faire un truc aussi de vécu. Et je veux aussi apporter... que ce n'est pas que des histoires sordides ou morbides, c'est aussi des histoires de vie. Et ça, j'y tiens. Et donc, les deux premières semaines, on aura besoin de spectateurs en France, le soir, le week-end, pour que ça dure. Et je veux bien venir où vous voulez pour en parler avec vous. Mais je veux surtout que les proches, les personnes, les papas, les mamans, les frères, les sœurs, les personnes qui sont avec ces maladies, eh ben, elles parlent. Ce film est pour vous. Pour vous, c'est pour votre parole qu'elle se libère. Voilà. Et j'ai fait venir un psychiatre belge, président de voilà, que je remercie, le docteur Gillin. Il a fait 150 km parce que je lui dis, je veux changer le monde. Il faut changer le monde. Et il est venu comme spectateur et c'était génial. Hein, Stéphanie, tu étais là. Benoît Gillin?
Oui, Benoît Gillin, il est venu, ouais. Ah, super. Vous le saluerez. Félicitations pour votre œuvre, en tout cas. Et pour répondre aussi par rapport aux chiffres, il y a un dossier pédagogique qui est fait, parce que je ne veux pas voilà, qu'on dise n'importe quoi par rapport à ça. Et donc, il y a Hélène Daftian et l'équipe des Funambules Falleret qui a fait un dossier formidable pédagogique avec Eliane Colombet et Khadija Mache, avec Frédéric Van Leven, qui est une psychiatre qui a écrit sur les enfants. Quand j'ai vu qu'elle a écrit qu'ils avaient des enfants, et donc c'est un texte qui s'appelle « Je voudrais savoir, docteur, quelle maladie elle a ma mère ?» Vous savez quoi ? J'ai renommé le fichier et j'ai mis « Génial, on existe ». Pour les médecins, on existe aussi. Et donc, ça, c'est formidable. Et il y a Martine Vermeulen, qui est psychologue pour Similes Bruxelles, qui a fait ça. Voilà. Et donc, du coup, je vous vois, là, Madame Anne, voilà, petit commentaire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pour dire ça. Et je vous dis, là, j'étais chez Marina Carrère d'Ancos. Là, elle était touchée. Puis, il y a d'autres gens qui sont touchés. On fait une projection en forêt le 3 juillet. Avec l'ONF, l'Office national des forêts, là où on a tourné. Voilà, c'est un film buissonnier, c'est un film pour la parole, c'est un film pour vous, pour nous tous. Mmh. Et voilà. Merci Jean-Christophe, je ne m'attendais pas à la diffusion de la bande-annonce, quoi. Voilà. C'était la surprise. Ouais. On enchaîne, Shadia, avec les premières questions sur les thérapies. Oui, donc... Pourquoi est-ce que les professionnels communiquent si peu entre eux ? Par exemple, comment se fait-il que très souvent, le médecin généraliste et psychiatre ne croisent pas les informations psychiques et somatiques ? Alors, pour commencer à répondre, je souhaiterais que l'infirmière et l'assistante sociale nous donnent leur point de vue, donc Martina Alves et Stéphanie Lemestré. Vous êtes souvent à l'articulation entre différents métiers. Comment ça se passe ? Quel regard vous avez là-dessus ? Est-ce que je commence peut-être ? Martina, oui. Alors, c'est vrai que le système de santé est très complexe et malheureusement de plus en plus fragmenté. C'est vrai qu'entre rien que ce que je remarque moi dans ma pratique de tous les jours, rien qu'entre l'hospitalier, l'ambulatoire, le communautaire, c'est des transitions qui sont parfois laborieuses et il y a toujours certainement des professionnels qui sont oubliés un petit peu dans la chaîne. Alors actuellement, il y a un travail qui se fait justement pour que ces transitions soient le plus optimales possible et que tout le réseau autour du patient soit pris en compte, non seulement professionnel, mais aussi les proches, les familles, le milieu associatif, etc. Mais ce n'est pas toujours facile et effectivement, beaucoup d'informations se perdent. Et c'est là que le concept du partenariat entre les proches, les professionnels, le patient n'est pas toujours optimal et c'est vrai qu'il y a beaucoup de freins institutionnels aussi qui ne permettent pas la mise en place de ce partenariat. Stéphanie, est-ce que vous souhaitez compléter ? Ce qu'il y a, c'est que moi, je ne suis pas assistante sociale en termes d'assistante sociale, puisque je suis coordinatrice d'une association de famille, donc je ne suis pas dans les soins en hospitalier ou en ambulatoire. Maintenant, ce que je constate par le témoignage, enfin, mon expérience depuis 16 ans dans cette association de famille, c'est que oui, il y a des professionnels, il y a un manque de communication, que ce soit vers les hospitaliers ou l'ambulatoire, et quelque chose qui peut même être très flagrant entre le psychiatre ou même le médecin traitant généraliste, les soins de première ligne. Donc pour moi, il y a vraiment cette importance de renforcer ce trialogue entre le patient, le professionnel et la famille. Et j'avais envie de dire par rapport à ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est aussi que la famille amène une photographie de la situation. Le patient a son vécu, le professionnel identifie des choses, mais la famille apporte aussi un supplément et c'est vraiment important de considérer cette famille comme partenaire de soins. Mais pour ça, il faut renforcer cette communication et le travail en réseau. Ce qui est mis en place en Belgique beaucoup, ce travail en réseau entre patients, professionnels et usagers. Voilà. Est-ce que l'un de nos médecins psychiatres souhaiterait donner son point de vue sur la communication avec les autres professionnels ? Oui, Perrine. Oui, effectivement, c'est vraiment, j'allais dire lamentable, mais ça l'était encore il y a peu, et ça l'est encore un petit peu. Mais
je tiens à souligner qu'il y a vraiment un effort extrêmement important, en tout cas sur le plan, moi je me situe donc hospitalier, et un effort vraiment institutionnel très important qui est fait pour que la communication entre le milieu hospitalier et puis l'entourage au sens large, donc le patient, sa famille et puis le soin à l'extérieur, le médecin traitant, se fasse de façon la plus rapide et la plus fluide possible. Mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de vigilance et d'énergie à injecter là-dedans parce que ce n'est pas encore optimal. Alors, il y a toute une politique gouvernementale qui s'appelle Projet de territoire en santé mentale, PTSM, où de nombreux professionnels, tant médicaux, médico-sociaux, que sociaux se sont rencontrés, se rencontrent pour déterminer des objectifs d'amélioration dans la prise en charge des patients, ce qu'ils appellent, ce que nous appelons le parcours patient, et la fluidité, la transmission des informations, la reconnaissance des différents interlocuteurs entre eux est vraiment un objectif très fort dans ce type de travail. Donc il y a encore beaucoup à faire, mais je dirais qu'on est sur le bon chemin, il y a de l'espoir. Anne, tu peux peut-être enchaîner sur la question 2.4 parce que je pense que les deux prochaines questions ont été déjà abordées. Alors, en complément du traitement, quelles sont les autres solutions qui ne font de soins, qui ne font pas appel à la chimie? Et il y a une autre question qui découle de celle-là. Existe-t-il des lieux lors d'une décompensation ou après une décompensation où il est possible d'aller pour récupérer et qui applique d'autres méthodes de soins que donner des médicaments? Ce serait intéressant d'avoir le point de vue des collègues psychologues sur la question. Laure Favre et Alexandre de Connor, peut-être Laure dans un premier temps. Alors, je vais répondre plutôt à la première partie de la question dans ce cas. Oui, bien sûr, il existe des compléments à la chimie. Les psychothérapies ont cette mission-là de compléter le soin médicamenteux. Il existe différentes approches, on en a parlé un petit peu déjà, notamment les thérapies cognitives et comportementales qui permettent d'aborder différents aspects de la maladie. On a parlé effectivement des traitements spécifiques sur les voies, etc. Les TCC évoluent aussi aujourd'hui et on voit aussi qu'elles s'intéressent notamment dans les approches des thérapies d'acceptation et d'engagement, à la question de l'identité, à la question aussi des valeurs, de qu'est-ce qui donne du sens à la vie, qu'est-ce qui donne du sens à l'expérience, où là du coup on va un peu plus loin quelque part, on arrive sur des questions plus existentielles et ça rejoint beaucoup notamment le rétablissement expérientiel. C'est des notions qui se croisent beaucoup. Merci. Alexandre, vous voulez compléter ? Pas beaucoup, parce que je suis d'accord avec ma collègue, effectivement. Puis je crois que la meilleure des thérapies, finalement, c'est ça, c'est de reconstruire son identité, de pouvoir avancer dans la vie sur les objectifs qu'on souhaite atteindre ou agir en fonction de ses valeurs, aller devenir la personne qu'on souhaite être, finalement. Et peut-être qu'en plus des TCC, les centres de réhabilitation peuvent aussi accompagner dans ces processus. Voilà, et je ne peux pas moins répondre à la deuxième partie de la question, parce que je ne sais pas s'il existe des choses hors médicaments qui accueillent les gens post-hospitalisation. Claire Chardin, est-ce que vous pourriez nous partager ce qui est thérapeutique, mais qui n'est pas des médicaments de votre point de vue? Et est-ce que du coup, vous avez identifié des lieux qui sont thérapeutiques? J'ai une mauvaise connexion, je suis désolée, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien, allez-y. Ouais. Oui, oui. Vous pouvez répéter la question, parce que du coup, moi, ça coupe beaucoup. Oui, du coup, je faisais appel à votre expérience de vécu pour nous partager ce qui vous soigne, mais qui n'est pas les médicaments, et si vous avez identifié des lieux qui sont soignants. À part les médicaments, moi, ce qui me soigne, c'est d'écrire. Enfin, je me suis trouvée dans l'écriture, en fait.
Et mentalement, c'est ce qui me fait avancer. Voilà. J'ai écrit un livre sur la schizophrénie, Mi homme, mi lumière. Et c'est ce qui me... Ouais, c'est ce qui me fait avancer à part les médicaments. Après, pour les lieux, non, je ne sais pas. Merci. Philippe Maugiron, vous avez écrit un jour, pour nous, le rétablissement, c'est passer à l'action. Alors, est-ce que l'action est thérapeutique ? C'est toujours pour moi ? Alors, j'interrogeais Philippe, mais bien sûr, Claire, vous pourrez compléter. Pardon. Alors, dans mon expérience personnelle, si je ne fais rien, rien ne change, ou plutôt la maladie continue à prendre le pouvoir. Oui, pour moi, être dans un processus de rétablissement, c'est entrer dans un processus d'action et intégrer un processus de transformation, qui est un processus à la fois de transformation intérieure, donc se redéfinir en tant que personne avec de nouvelles limites, mais aussi de nouvelles capacités, de retrouver un sens à sa vie, mais aussi un processus de transformation extérieure, donc sociale. En ce qui me concerne, et ça pourra peut-être faire sourire, je crois que pour se rétablir, il faut, pour la personne, son entourage, et au sens large, dans la cité, de l'amour, encore de l'amour et toujours de l'amour. Il y a Graham Thorncroft, qui est, vous le connaissez certainement, pour certains d'entre vous, qui disait que pour lutter contre la stigmatisation, il fallait trois choses importantes. La première, du lien social. La seconde, du lien social. Et la troisième, du lien social. Donc, lorsque j'entendais des soignants tout à l'heure dire, et des chercheurs surtout tout à l'heure dire, oui, le savoir expérientiel, ça apporte quelque chose et ça fait bouger les lignes. Je travaille pour le GHU Paris Neurosciences et Psychiatrie sur le site de Sainte-Anne. À 3 mois après mon arrivée, donc c'était en 2012, il y a quelques années, il y a eu une réunion avec les personnes accueillies et puis aussi tous les soignants, et je ne faisais pas partie de ces réunions pour que la parole soit plus libre et que les uns et les autres puissent s'exprimer sur les bénéfices ou pas qui est un médiateur de santé pair au sein de l'équipe. Et il y a une collègue infirmière qui a dit, le fait, depuis que Philippe est là, on laisse moins de place à la toute-puissance des modèles théoriques et ça nous permet de nous recentrer vers l'humain. Donc effectivement, je crois qu'on est sur une question qui est profondément humaine et de relation à soi et de relation aux autres et de la manière dont on est accepté par l'autre et les autres. On parlait en début de cette conférence de différence, mais dès qu'on parle de différence, derrière il y a la question de la normalité. Et c'est aussi un énorme enjeu d'être en capacité d'accueillir quelque chose qui est différent de soi. C'est très compliqué à titre individuel, aller vers l'autre, accepter l'autre. Pour moi, c'est une orientation que je donne et c'est un combat. Ce n'est pas quelque chose qui est inné ni acquis de ma part, voyez. Donc, ça demande une orientation personnelle. Alors oui, pour se rétablir, si on en fait le choix, il ne s'agit pas non plus d'entrer dans la dictature du rétablissement, eh bien, il s'agit d'intégrer un processus de transformation parce qu'il faut donner de soi. C'est quelque chose qui ne se fait pas seul en ce qui me concerne. J'ai eu besoin des autres. Et aller vers l'autre, cet inconnu, être en capacité de demander de l'aide, moi, ça m'a pris beaucoup d'années, beaucoup trop d'années. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette nouvelle profession, simplement pour essayer de faire gagner un petit peu de temps aux personnes qui sont dans des situations similaires à celles que j'ai connues. Alors, j'ai vu une internaute et un débat du coup qui s'est engagé par rapport au lieu. On nous rappelait l'existence en France des groupes d'entraide mutuelle qui ont en particulier cette fonction aussi de social, de soutenir la socialisation, qui sont des espaces extrêmement importants du point de vue du rétablissement. Faustine ? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la première partie de la question où on parlait quelles étaient les autres prises en charge qu'on pouvait faire qui soient non médicamenteuses.
On a eu beaucoup d'échanges et de discussions là sur les TCC. On n'a pas du tout parlé de tout ce qui était remédiation cognitive aussi, qui est quelque chose de très, très important. Alors, dans beaucoup de pathologies psychiatriques, il y a des programmes de remédiation cognitive hein, qui existent, qui sont validés scientifiquement, que ce soit des programmes qui ont lieu en individuel ou en collectif. Hein, en individuel. Si. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que la remédiation cognitive? Tout le monde ne sait pas forcément. D'accord. En fait, dans pas mal de pathologies psychiatriques, et notamment dans la schizophrénie, il a été démontré qu'on pouvait avoir ce qu'on appelait des troubles cognitifs. Alors, troubles cognitifs comme ça, ça fait très, très peur. Mais en tout cas, c'est des difficultés en dehors d'une stabilisation de la maladie que les personnes ont. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, c'est ce qui va vous permettre de programmer, de planifier, d'exécuter une tâche. L'exemple très simple qu'on peut prendre, c'est quand vous voulez cuire des pâtes. Pour quelqu'un qui n'a pas de difficulté au niveau de ses fonctions exécutives, il sait que bah, il va devoir prendre une casserole, mettre de l'eau, faire bouillir l'eau, puis ensuite mettre les pâtes et attendre que les pâtes soient cuites. Quand on a des problèmes de fonctions exécutives, par exemple, on ne sait pas forcément dans quel ordre on va faire les choses. Donc, on peut se retrouver avec quelqu'un bah, qui va prendre une casserole, qui va mettre les pâtes, qui va mettre à chauffer, et puis qui va mettre de l'eau, mais qui va le mettre à côté, par exemple. Ça, c'est un exemple très classique qu'on prend. Ça, c'est ce qu'on appelle la cognition froide, notamment les fonctions exécutives. Il y a un deuxième aspect qui s'appelle la cognition chaude, qui est la cognition sociale, c'est-à-dire des difficultés qu'on a dans les rapports sociaux à comprendre, par exemple, ce que veut l'autre, à déchiffrer les émotions qu'il peut y avoir en face, hein, sur le visage de l'autre. Ces difficultés, au niveau des cognitions, que ce soit les cognitions froides ou les cognitions chaudes, on peut les rééduquer. Comme ça se fait, par exemple, sur les personnes âgées qui ont des processus démentiels, on peut le faire aussi dans la maladie psychiatrique. Pour ça, il existe des programmes, donc ce que je commençais à vous dire, soit en individuel, hein, où on va définir vraiment quelles sont les difficultés, dans quel point le patient ou la personne a des difficultés, et on va entraîner, en fait. On va rééduquer ses fonctions exécutives. Ça peut être fait de manière individuelle, ça peut être fait aussi en groupe, par rapport aux conditions sociales, comment est-ce que dans un groupe on interagit, comment est-ce qu'on prend les réponses de l'un ou de l'autre. La remédiation cognitive, je trouvais que c'était quelque chose d'important à dire. Et aussi, il y a un autre plan. Enfin, pour moi, il y a la remédiation cognitive, il y a les TCC et il y a l'éducation thérapeutique aussi. L'éducation thérapeutique, que ce soit pour le patient ou que ce soit pour les proches aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, en psychiatrie, il faut quand même dire qu'il y a le patient, certes, mais il y a toute sa famille autour. Ça, vous en avez déjà beaucoup parlé, hein, de l'impact que ça peut avoir, que ce soit au niveau du diagnostic. Mais c'est quand même majoritairement les familles, actuellement en France, qui prennent en charge les malades une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital. Donc, pouvoir avoir aussi un espace de parole pour les familles, pouvoir les éduquer par rapport à la maladie, ce que ça veut dire, et aussi de pouvoir, eux, pouvoir échanger par rapport à ça, c'est aussi un pan qui, moi, me paraît très, très important dans la prise en charge globale des patients. Emmanuel Raymond, vous souhaitiez intervenir. Oui, je remercie Faustine Denis pour son intervention, parce que vraiment, c'est la grande demande de l'UNAFAM, car nous souffrons tous souvent de cette absence de formation. Nous recevons des familles dans les délégations. Nous-mêmes, nous avons tous un proche qui souffre de troubles. Et c'est tellement important de comprendre ces fonctions exécutives qui sont entamées par la maladie. Car lorsque vous avez chez vous, sort de l'hôpital, votre proche qui rentre, qui a une médication, qui est allongé toute la journée, alors qu'il a deux bras, deux jambes et un cerveau qui est une intelligence, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant, et c'est quelque chose qui peut déclencher une agressivité de la part de la famille, car elle ne comprend pas ce qui se passe, et donc la famille peut devenir pathogène dans ces moments-là, c'est-à-dire n'a pas la bonne attitude. Donc il faut absolument que nous soyons formés, nous les familles, c'est ce que nous faisons à l'UNAFAM, c'est-à-dire que nous, quand nous recevons des familles en entretien, nous leur expliquons toujours le problème des troubles des fonctions exécutives, pour apaiser les situations familiales. Car on sait que lorsque les proches ont une certaine demande en disant « mais fais quelque chose, épanouis-toi, va chercher un travail »,
ça accroît l'anxiété et ça peut encore plus déclencher des crises et également provoquer ces ruptures qui sont tout à fait délétères dans les familles et qui sont réelles. Donc, moi, nous soutenons énormément cette demande-là, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une très forte inégalité sur les territoires en France. Certaines personnes dans leur CMP, il se trouve que il y a un neuropsychologue, il y a un bilan neuropsychologique, tiens, il y a de la rééducation, remédiation cognitive, et c'est merveilleux, ils vont beaucoup mieux, et la personne qui est à côté n'en bénéficie pas. Donc ça, c'est vraiment une grande demande que nous avons. Il y a un énorme retard en France. Il faut vraiment qu'on se mobilise, parce que la remédiation cognitive, ça ne date pas de l'année dernière. Or, ce n'est pas du tout suffisamment mis en œuvre. Et on le sait, les résultats sont importants, car il ne faut pas simplement avoir de la volonté, c'est qu'il y a quelque chose dans... Je ne suis pas médecin, mais nous le constatons autour de nos proches, il y a vraiment un problème de mise en ordre de ces fonctions exécutives qui permettent d'aller et venir, et il faut les rééduquer. Alors, juste une remarque par rapport à Emmanuel. Cette disparité territoriale n'est pas propre uniquement à la France. Ah oui. Alors, il faut vraiment que j'intervienne sur la disparité, excusez-moi, de m'emparer de la parole. Il y a enfin une prise de conscience de nos dirigeants de cette importance de la psychoéducation, d'éducation thérapeutique, de la remédiation cognitive, de la prise en charge des familles avec pro-famille. Il y a plusieurs intervenants, internautes, qui le soulignent, l'intérêt fondamental de ce programme pour les savoir-faire, les savoir-être, les savoirs tout court par rapport à la maladie schizophrénie et la vie avec son proche qui souffre de schizophrénie. Donc, il y a une prise de conscience de nos dirigeants qui ont donc décidé de mailler le territoire avec des centres qui vont avoir la responsabilité d'organiser tout ce travail de psychoéducation, de remédiation cognitive, normalement, si tout va bien, dans tous les centres de soins de France, dans tous les secteurs, puisqu'on est sectorisé, par bout géographique. Donc, dans tous les bouts géographiques de la France, il devrait pouvoir y avoir au moins un centre qui puisse accueillir des patients pour ces soins spécifiques qui, effectivement, sont très disparates en fonction du territoire où on habite. Clairement, on n'a pas le même accès aux soins en fonction de son lieu d'habitation en France. Et ça, c'est vraiment insupportable. Justement, donc, c'est en train de changer, ça aussi. Pardon. Sur les centres experts, Sylvain Lénier, vous pouvez peut-être nous partager. Au-delà en fait, des centres experts qui sont une voie possible pour l'accès à des diagnostics, à l'évaluation notamment des troubles cognitifs, comme un bilan neuropsychologique en fait, est proposé dans cette évaluation. Sylvain, vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est qu'un centre expert, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Ouais, les centres experts sont régis en fait, par la Fondation Fondamentale et essayent de proposer un maillage supplémentaire à l'échelle de la France pour permettre à des personnes d'accéder à un diagnostic. Il y a quatre types différents de centres experts en France, les centres experts schizophrénie, centres experts TSA-SDI, troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, centres experts troubles bipolaires, centres experts dépression résistante. Centres experts, à l'origine, en 2007, avaient été créés justement pour améliorer l'accès et la possibilité aux personnes de recevoir un diagnostic. Au-delà du diagnostic, moi, je participe finalement au centre expert et aussi au centre de réhabilitation, au C3R Grenoble. Il y a une chose qui n'est pas capturée quand même par nos classifications, nos diagnostics, notre vision symptomatique, c'est la notion de handicap. Ça a déjà été rappelé, la difficulté fonctionnelle en fait, entraînée par certains symptômes. Et il n'y a pas toujours de corrélation entre l'intensité des symptômes et l'intensité du handicap. Et ça, c'est vraiment un angle mort auquel on a affaire aujourd'hui. L'évaluation justement de la cognition, de la neurocognition, permet en partie de répondre à cet angle mort. Qu'est-ce qui, pour une personne, participe à générer un handicap fonctionnel? La notion aussi de stigmatisation, encore en 2020, recevoir un diagnostic de trouble psychiatrique, psychique, c'est loin d'être anodin et ça entraîne bien entendu une stigmatisation. Et cette notion de handicap, c'est vrai que nous, on n'arrive pas à la capturer, on la capture très mal avec nos outils. Et ce qu'on ne capture pas du tout, c'est aussi les compétences des personnes, finalement, sur quelles compétences les personnes vont pouvoir se reposer, justement, pour aller en direction du rétablissement. Laurent Lefebvre. Laurent Lefebvre souhaitait intervenir. Oui.
Oui, concernant les différents types de thérapies qui peuvent se proposer, qui peuvent être proposées aujourd'hui en France notamment, y en a pas mal. Hein. Moi, j'ai utilisé la sophrologie qui m'a beaucoup aidé pour rester, pour justement lutter contre le stress, puisqu'on a effectivement dans la schizophrénie, on a un problème avec le stress. Donc, ça permet la sophrologie d'être dans le présent, de vraiment faire des exercices techniques pour rester le plus possible dans le présent. Donc ça peut être une aide précieuse. Mais il faut être stabilisé pour pouvoir le faire, effectivement. Ce n'est pas en période de crise qu'on va se mettre à faire de la méditation, c'est sûr. Et puis, il y a la marche en forêt. Et là, voilà, Véro, les personnes atteintes de schizophrénie ont un monde, tous, quasiment tous, un rapport au monde invisible, au monde des énergies. C'est très important. Je suis complètement d'accord. Pardon, Laurent, je te fais juste un petit truc. Merci. C'est ça, la forêt de mon père. Voilà. Et bien, justement, j'ai vu de très belles images. J'ai vu de très belles images de rayons de soleil qui passaient à travers les feuilles. Et bien, c'est ça. Comment s'en sortir ? Eh bien, c'est commencer par aller faire un tour en forêt. Alors, c'est sûr, le problème qu'on a quand on est en début de maladie, quand on est en début, qu'on découvre les symptômes et que c'est très compliqué parce qu'il y a un problème d'avolition, il y a un problème de motivation énorme. Eh bien, c'est là la famille qui a un rôle important, c'est-à-dire de les accompagner, les personnes, là, les patients, de les accompagner en forêt, à faire une petite promenade d'abord, ça commence comme ça. Et puis, au fur et à mesure, on s'aperçoit que les symptômes diminuent et que, on va un peu mieux. Et c'est un chemin comme ça. C'est la sophrologie, les EFT, les Emotional Freedom Techniques. Il y a plein aujourd'hui de techniques psycho-énergétiques qui existent. Et maintenant, après, c'est à chacun de piocher, de chercher. Un peu de voir qu'est-ce qui peut lui convenir le mieux et les arbres. Moi, j'adore jouer de la flûte traversière en forêt, par exemple. Ça me fait beaucoup de bien. Et voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut mettre en place. Y a plein de techniques qui sont là qu'on peut utiliser. Alors, il y a de nombreuses réactions là chez nos intervenants. Fabienne, tout d'abord, Fabienne Furger. Merci. Je voulais juste aussi vraiment insister sur le côté social. On a tous besoin d'avoir une utilité, de se sentir utile, d'avoir un projet, de se sentir inclus dans quelque chose. Dans le projet Synergie, on voit très bien qu'il y a plusieurs personnes qui disent en fait, le fait de contribuer à la recherche, de voir qu'on peut avoir une utilité, qu'on peut contribuer à quelque chose, qu'on peut changer quelque chose, ça aide en fait, ça donne une certaine valeur, ça donne un sens en fait à sa vie. Ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Et que aussi de se faire... de sentir partie de quelque chose, d'une communauté. Ici, on voit, il y a un lien avec les chercheurs, il y a un lien avec d'autres personnes qui sont concernées par la maladie. Il y a vraiment une communauté qui se crée autour et une utilité, un savoir qui se crée, qui est transmis. Et on peut apprendre aussi. Et le fait d'impliquer dans un projet comme ça, ça donne une valeur dans la société. Et je voulais juste aussi vraiment insister sur cette importance-là. Carole. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Laurent en émettant quelques nuances. Quand on parle de foisonnement, de diverses thérapies, moi, ça me fait toujours un peu peur aussi, dans la mesure où il y a je parle que de la Suisse francophone, parce que c'est que ce que je connais, mais il y a beaucoup de personnes qui se prétendent de guérisseurs un peu de toutes sortes, qui mélangent la sophrologie avec un peu de méditation, de je ne sais pas où, etc., qui prétendent, par exemple, débloquer vos émotions en une heure, vous rétablir aussi en une heure et tout, une sorte de chaman, etc. Et malheureusement, je constate que beaucoup de personnes qui souffrent de telle ou telle maladie psychique
tombent dans certains pièges. Et c'est, j'ai vu des gens vraiment faire des choses dangereuses, quoi. Donc, je voulais souligner le côté dangereux de la multiplicité des thérapies, pas pour dire qu'il n'y en a vraiment que 3 bonnes ou 4 bonnes et puis les autres, c'est rien du tout. C'est vrai qu'en Suisse, maintenant, se développe de plus en plus la pleine conscience, qui est une forme de méditation, mais qui est vraiment encadrée dans les institutions reconnues par l'État du canton, par exemple, où il y a justement le filet de sécurité nécessaire. Au cas où, par exemple, les émotions débordent, il y a un filet, il y a un suivi. On ne fait pas ça comme ça. Et c'était, ce que je dis là, c'est plutôt une invitation à la prudence, parce que c'est vrai que moi aussi, à une époque, la souffrance était tellement intense que j'ai songé à l'exorcisme, ces médiums qu'on peut appeler sur n'importe quel numéro. Enfin, je me disais, mais finalement, j'aimerais que ce soit, mais pas dans 3 ans, j'aimerais maintenant. J'aimerais quelque chose genre baguette magique. Je sais que ça n'existe pas, mais j'aimerais quand même. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même, par contre, une vraie dimension spirituelle qui peut être aidante. Mais elle est d'un autre ordre encore. Elle peut pas être assimilée à toutes ces espèces de, je sais pas comment les appeler, ces espèces de thérapies un peu alternatives qui pour moi disons recèlent un certain danger, voilà. Frère Mathieu, est-ce que vous vouliez intervenir? J'avais cru voir que vous aviez levé la main. Oui, tout à fait, merci de me donner la parole. Je voudrais rebondir sur 2 choses. Une première chose qu'a dit Fabienne, une deuxième chose qu'a dit Carole. Et ces 2 choses-là, ça se regroupe dans la vie que je mène aujourd'hui. Je suis moine, je vis dans un monastère, et la spécificité de mon monastère, c'est qu'il a été fondé pour permettre à des malades psychiques d'accomplir leur vie monastique. Fabienne a parlé de l'importance de la communauté. Et, alors la communauté, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément la communauté monastique, bien sûr, une communauté dans une association, une communauté d'amis, une communauté familiale. Mais l'importance de la communauté est la force de la communauté. Et je crois que c'est très vrai. Avant de rejoindre cette communauté monastique, j'étais dans une autre communauté religieuse. Et c'est là où, en fait, on a découvert ma fragilité, ma maladie. Et ça faisait énormément peur à mes autres frères. Et je vous assure que le fait de ne pas se sentir accueilli par les frères, c'est extrêmement lourd. La force de la communauté, la force de l'accueil. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de thérapeutique dedans. Je voudrais rejoindre aussi ce que disait Carole par rapport à la spiritualité. Je crois que oui, la dimension spirituelle, elle aide dans le rétablissement. Je ne vais pas parler de guérison, parce que, après, ça dépend de ce qu'on entend par le mot guérison, mais en tout cas dans le rétablissement. La dimension spirituelle aide, et j'entends par dimension spirituelle pas nécessairement le côté religieux, mais le côté, comment dirais-je, ce qui élève l'esprit, que ce soit le beau, le vrai, le bon, le bien. Claire parlait qu'elle écrit, et l'écriture, ça fait aussi partie de la dimension spirituelle. Je crois que ce qui nous aide, nous, les malades psychiques, c'est justement à élever notre esprit, et c'est ça qui nous nourrit et en fait qui nous donne la force d'accepter la maladie et la fragilité. Stéphanie Lemestré. Moi je voulais revenir à quelque chose qui a été dit bien avant. Moi je voulais revenir sur le programme ProFamille, parce qu'on parle beaucoup de la prise en charge des usagers, et je trouve ça qu'elle est vraiment importante en termes de remédiation cognitive ou de thérapie alternative ou autre, mais il ne faut pas oublier que, comme je le disais tout à l'heure, les familles, elles ont aussi besoin d'outils et de pouvoir comprendre comment vivre avec une personne atteinte d'un trouble psychique. Il y a eu beaucoup de choses dans les échanges. Moi je suis animatrice ProFamille depuis 14 ans, je suis membre du réseau ProFamille International, et j'ai créé des équipes
en Belgique et j'en forme aussi et je suis dans le réseau international. Et donc ça, c'est la psychoéducation, pour donner une information aux familles qui nous écoutent ici, la psychoéducation pro-famille, c'est vraiment donner des outils aux familles pour apprendre à mieux vivre, à mieux communiquer. Comment je peux communiquer avec mon proche, comment je peux mieux comprendre les symptômes de la maladie, comment je peux gérer moi en tant que parent de meilleures mes émotions, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, comment est-ce que je peux communiquer avec eux. Il y a eu beaucoup d'échanges de tout à l'heure dans la conversation aussi, comment faire avec le défaut d'insight par rapport aux personnes qui ne se reconnaissent pas malades. Parce que nous, en tant que parents, les proches, ils ont tendance à dire « il faut que tu prennes ton médicament, tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Ben, on dit que tous les conseils non sollicités sont ceux qui ne sont pas du tout entendus. Et donc, à Profamille, on apprend aussi à rétablir la gestion des émotions, mais à rétablir aussi une communication avec la personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça va aider la famille, mais ça va autant aider le patient. La famille, elle va se sentir mieux, elle va être beaucoup plus calme, elle va avoir des outils pour apprendre à mieux communiquer, ça va avoir un impact positif sur la personne malade et ça a aussi une répercussion sur le professionnel. Parce que la famille n'abordera plus le professionnel avec de la colère, avec ce sentiment d'injustice, parce qu'elle va apprendre des outils, elle va comprendre mieux les choses et elle va avoir un espace où elle va pouvoir échanger et apprendre à comment faire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour clôturer, j'avais juste envie de donner cette information-là en termes. Il existe le site www.profamille.org. Allez voir pour voir s'il existe des programmes dans votre région. Mais aussi pour répondre à d'autres, j'ai envie de donner les références d'un livre qui est vraiment très intéressant et qu'on utilise dans le Profamille. C'est le livre de Xavier Amador. Donc, c'est Xavier Amador, A-M-A-D-O-R. Et le titre, c'est « Faire accepter la maladie ». Comment faire accepter son traitement aux malades. Et tout ce qui est en termes de défaut d'insight, de communication, comment faire accepter son traitement, c'est un livre qui est vraiment très adapté pour les familles et pour le patient. Et ça vous donnera en tant que famille aussi des outils. Donc, si vous n'avez pas accès à la psychoéducation, ce livre pourra déjà être un premier outil. Voilà, merci. Moi, j'aimerais juste me glisser quand même, parce qu'on parle beaucoup de pro-famille. Alors, pro-famille, c'est plein de qualités, ça c'est certain, mais je crois qu'il y a une chose quand même qu'il faut bien préciser, c'est que pro-famille est avant tout axée sur la schizophrénie. Et ça devient tout à coup quand même pour les proches qui n'accompagne pas quelqu'un de schizophrène, ben peut-être plus difficile de savoir se situer. Donc, je veux juste dire que le programme Profamille s'adresse aux personnes qui ont un proche atteint de schizophrénie ou de schizoaffectif. Et maintenant, il y a aussi le programme Profamille pour les troubles bipolaires. Alors, et il existe, oui. Et moi je donne un module aussi qui n'est pas pro-famille mais qui est connexion familiale pour les proches qui ont un proche atteint du trouble de la personnalité borderline. Eh bien, alors je complète dans le même sens que dans lequel j'allais tout à l'heure, c'est que ben, c'est bien Stéphanie si tu fais ça, mais à l'inverse, pour l'instant, tout ce qui est autre trouble que la schizophrénie, en tout cas dans les régions que je connais, Profamille est toujours tourne autour de la schizophrénie, hélas. Et c'est vraiment important. Il est créé pour la schizophrénie. Pardon ? Excusez-moi, mais il est créé pour la schizophrénie. Alors, on est entièrement d'accord. Mais je ne voudrais pas justement que tous les proches qui n'accompagnent pas quelqu'un qui souffre de schizophrénie se trouvent tout à coup dans un désert. Alors, qu'est-ce qui pourrait être donné comme orientation pour les proches qui n'accompagnent pas quelqu'un qui souffre de schizophrénie? Alors, deux personnes souhaitent intervenir, Emmanuel Raymond et Eugène Bagianasonga. Alors, je ne sais plus dans quel ordre, peut-être Emmanuel, puis Eugène ensuite. Oui, alors justement, pour répondre à Anne, à l'UNAFAM, nous proposons les ateliers Prospect. Ils ont été mis en œuvre par EFAMIE, la Fédération européenne d'associations de proches ayant des malades psychiques. Et ce sont des séries d'ateliers. Et c'est une approche très particulière car c'est une approche de pair à pair, c'est-à-dire que nous aussi dans les familles, il y a des pères aidants puisque les ateliers sont animés par des personnes qui ont un proche souffrant de troubles et là ce n'est pas spécifique à la schizophrénie et qui se forment selon un cahier des charges très précis qui a été élaboré au niveau européen par des pays différents en 10 modules
et qui se passe en, c'est beaucoup plus bref que pro famille. Alors évidemment, ça n'a pas la même, peut-être la même ambition, la même prétention, mais ce qui est très important, c'est que ça permet un soutien émotionnel, ça permet la reconnaissance de la souffrance émotionnelle que l'on ressent quand on a un proche dans sa famille qui souffre d'une maladie psychiatrique longue et chronique. Et en même temps, ça crée, ça donne quand même des outils, entre autres, comment parler au psychiatre, comment mieux connaître la maladie. Et nous sommes en train, en famille, de perfectionner cet outil pour proposer ce qu'on appelle Prospect Plus, car il va être, il est révisé actuellement. Donc, je pense que c'est vraiment une formation très utile. Et c'est toujours aussi réconfortant de savoir que ce sont beaucoup de pays européens qui se sont mis ensemble pour proposer ces modules très bien construits et avec une guidelines, comme on dit en anglais, très précise. Je vous invite, l'UNIAFAM forme plus de 500 personnes par an. Il y a plus de 5500 familles qui ont été formées donc, depuis sa création. Nous continuons à le développer. Eugène ? Oui, oui, c'était pour revenir sur un aspect par rapport aux thérapies, sans prosélytisme pour autant. On a parlé effectivement des TCC. Moi, il y avait un élément très important, c'est qu'on a parlé quand même qu'on ne parle pas de... Il y a une particularité différente pour moi d'une fracture. On parle de pathologie du lien. Et j'ai toujours peur qu'on perde l'humanité de la personne quand on parle sous forme d'objectifs, sous forme parfois de bien sûr, d'éléments qui sont importants dans les mécanismes psychologiques d'une pathologie. Moi, j'ai été formé, et je tenais à aussi souligner ces personnes, parce qu'on a parlé de Benoît Gillin, j'ai été formé en Belgique, avec aussi des courants transdisciplinaires. Et la transdisciplinarité, pour moi, est un élément très important à travers toutes les thérapies qu'on propose en psychiatrie ou dans les soins psychologiques. J'ai connu des thérapeutes systémiciens qui travaillaient avec des analystes, avec des thérapeutes TCC, avec des neuroscientifiques qui venaient critiquer et en même temps enrichir le travail de chacun. Et je pense qu'il est important, parce que j'ai entendu parler de différents de ces courants, de rappeler aussi que parfois il y a un travail qui va se faire d'une manière un peu intégrée dans certains lieux. Je le dis parce que c'est resté présent dans certaines universités, dans certains dispositifs de soins, mais que dans d'autres, on est arrivé finalement à un dispositif où parfois on dit « Ah, vous avez un problème du bout du doigt. Le bout du doigt, c'est la porte de droite. Par contre, vous avez une très belle première phalange. » Pour un patient, je pense que c'est inacceptable parfois d'entendre cela. Et je me rappelle d'avoir entendu aussi les courants de thérapie institutionnelle qui proposaient en fait à tous ces thérapeutes de se parler. Et j'espère que c'est encore le cas, mais je pense que parfois ça se perd parce qu'il y a effectivement des guerres aussi, il faut pouvoir le dire, des luttes pour quelque part avoir un savoir plus important que d'autres. Je pense que les usagers doivent pouvoir se retrouver dans un certain dialogue entre les courants thérapeutiques. Voilà. Et avec leur médecin, d'ailleurs, qui doit aussi pouvoir les aider là-dedans. Eugène, j'aimerais en profiter, puisque tu avais la parole, pour te poser des questions qui sont revenues de la réunion. Plusieurs questions sont venues de la réunion. Et justement, sur cette interdisciplinarité, est-ce qu'il existe des dispositifs au-delà de l'hôpital, est-ce qu'il y a des dispositifs pour la recognition sociale, pour les TCC, pour différentes thérapies, et est-ce qu'elles sont complémentaires à ce que c'est pratiqué à La Réunion ? Alors, pour ce qui est de la remédiation cognitive, effectivement, et je crois que plusieurs personnes l'ont signalé, il y a une certaine carence. Pour des raisons que j'ignore aussi en partie. Je sais que certains hôpitaux de jour emploient l'outil. Certaines personnes ont été formées, peut-être pas suffisamment que pour créer vraiment un mouvement qui soit bien institué. Et en tout cas, il n'est pas présent à travers tout le territoire de La Réunion. Par contre, il existe un centre d'appui en réhabilitation, en tout cas pour. Je travaille à l'EPSMR, l'EPSM de La Réunion, qui s'occupe de trois pôles de La Réunion, Est, Ouest et Nord. Et cette cellule travaille de manière intersectorielle, vient à la rencontre soit dans les CMP, soit dans les centres hospitaliers, soit les unités d'hospitalisation, des usagers qui le souhaitent, ou à partir d'un dialogue entre les soignants et les soignés pour.
pour proposer à la fois une évaluation fonctionnelle, mais aussi différents outils, dont l'outil aussi ProFamille qui s'est mis en place sur le site de Saint-Paul dans l'Ouest. Et ils vont commencer à proposer des ateliers. Enfin, il y a ProFamille, je pourrais citer renforcement aux habiletés sociales, résolution de problèmes interpersonnels. Enfin, je cite quelques ateliers qui sont proposés, mais qui sont encore assez forts en cours de développement. Et le confinement a aussi fortement perturbé les choses. Mais la reprise est là depuis le 22 juin. Je vais peut-être vous surprendre, mais il est déjà 20h. On a traité pas tout à fait un tiers de toutes les questions qu'on avait reçues, mais les débats ont été extrêmement énergiques et je vous en remercie infiniment. Nous allons devoir terminer cette webconférence, mais bien sûr, je pense qu'on va, on va se retrouver pour pouvoir compléter cette discussion. La prochaine webconférence aura lieu le dernier jeudi de septembre. Et je tiens à remercier tous ceux qui sont intervenus, ainsi que les nombreuses personnes qui sont restées tout le long pour nous écouter. J'aimerais remercier toutes les associations qui nous soutiennent et vous souhaiter un très bel été. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt, bel été à vous. À bientôt. À vous aussi, merci et merci pour les témoignages. Merci. Et en espérant voir le film merci. À La Réunion. J'ai hâte de voir votre film, Véro. Il est magnifique, oui. C'est un magnifique film, je l'ai vu deux fois, il est splendide. Et c'est un beau message que Véro fait passer au travers de son film. Je confirme. Avec plaisir. Voilà, et il faut que vous soyez là pour en parler. Enfin, je veux dire, voilà, c'est important. On sera présent. Laurent, on va se voir. Vous venez et puis vous, je sais pas où vous êtes, mais voilà, ceux qui veulent. Philippe, on s'est parlé aussi. Il a pas encore vu le film, mais voilà. Vous n'avez pas envie de venir à La Réunion ? Ben si, je veux bien. Ben oui. Mais oui, il faut venir. Voilà, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais voilà. Et en tout cas, c'est vraiment merci. En tout cas, c'est la première fois que je fais ça avec vous. Merci à Jean-Christophe et Anne et toute l'équipe des journées de la schizophrénie, parce que c'est rare des endroits où tout le monde peut dialoguer, même si on n'est pas d'accord. C'est ça qui est génial, quoi, quand même. Et merci beaucoup, hein. Et bel été à tout le monde. Merci bel à été. Tous. Merci, bel à été à tous. Merci, bel été. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir. Merci pour les échanges. Au revoir. Au revoir. Au revoir.